Salut à tous. Non. Salut à tous. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pourquoi tu cries? Parce que j'aime bien crier. Pour ce début de vidéo, je vous propose quelque chose d'incroyable et quelque chose d'inouï jamais fait sur l'internet. Un unboxing. Mais pas n'importe quel unboxing. Parce que moi. Une expérience unique, une immersion totale dans un unboxing de qualité. C'est un colis que j'ai reçu aujourd'hui, ça ne va pas du tout me servir pour des vidéos, c'est juste que je voulais l'ouvrir avec vous pour faire comme tous les youtubeurs à la mode. Mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un simple youtubeur, donc je vais vous proposer une expérience incroyable. Alors je me propose de m'équiper et de vous retrouver tout de suite avec l'équipement. Regardez, incroyable, grâce à cet équipement, vous allez vivre en direct le déballage du colis. Vous êtes prêts? C'est parti! J'espère que vous voyez bien. Hey, hey. Ah! Merci. Ah ben, j'ai le scotch qui... Eh ben! Merde alors. Le scotch là! Nique ta mère là! Le scotch putain! Je panique putain! Le scotch putain! Oh putain! Oh putain! Le scotch! Le scotch! Putain! Allô? Allô? Oui! Je peux pas là! Mais je peux pas! Oui! Attends, Merde! Je te rappelle! Oh putain! Oh putain! Attends! Ah mais oui! Attendez! Ah ben oui! Des fois je stresse pour rien moi. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente mon setup. Alors comme tous les youtubeurs, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter le matériel avec lequel je travaille et j'officie. Alors j'ai écrit cette vidéo, donc je vais tâcher de lire. Bonjour à tous. En tant que youtubeur, je suis obligé d'utiliser du matériel de pointe et du haut et de pointe et de haute technologie. Je suis obligé de passer par là. Je suis obligé de passer par là où sont passés les plus grands youtubeurs comme David Lafarge Pokémon et la main fâchée. C'est parti. Tout d'abord, le plus important, la tour. Cette tour, c'est avec cette tour, ce matériel-là, que je fais mes montages vidéo. C'est du bon matos. Elle est noire. Et j'ai Windows 7 dessus. C'est un clavier HP. Gris. Les touches sont un peu jaunies. Parce que je leur ai dit que j'allais tourner une vidéo et j'allais les montrer. Et du coup, elles ont jauni à l'idée. Dans cette vidéo, je vais commettre un crime. Je vais vous faire mourir de rire. Ah oui, très important, c'est un clavier AZERTY. Et mieux vaut deux claviers AZERTY en vaut deux. Ma souris, c'est une Logitech. Ma souris, elle est noire, elle est pas verte. Par rapport à la chanson enfantine. Comme vous pouvez le voir, je dispose également de deux enceintes montées sur ma tour. Une ici et une ici. Il s'agit effectivement également de Logitech aussi. Et elles sont noires également. Et voici mon écran, c'est un LG. Ah, je vais débrancher pour brancher la lumière. J'allumerai après. Donc il est aussi noir. Eh ben dis donc, tout est noir. Et on est en Afrique ou quoi? C'est le setup de Jean-Marie. Alors bienvenue, n'est-ce pas, dans ce setup de mon... N'est-ce pas? Alors, ici, la tour, elle est noire, n'est-ce pas? Si l'écran, il est noir, les antennes sont noires, et le clavier, il est gris. C'était le setup de Jean-Marie. Vous pensiez que c'était fini? Eh non, Surprise! Je vais vous montrer maintenant avec quel logiciel je travaille. Je vous ai pas menti, c'est Windows. Il y a le fil qui est tout entouré. Ça configure la mise à jour. Alors voilà mon PC. J'utilise
Allô? Allô? J'ai fait une vidéo, tu fais chier! J'utilise des logiciels différents pour faire des montages photos. J'utilise Paint pour faire des ronds, par exemple. Si j'ai besoin de ronds pour un montage, je fais mes ronds. Pour mes plus grands fans, vous savez que je fais un peu de musique. J'utilise Magix. Je vais vous faire une petite démo rapido. Je glisse, par exemple, un beat que j'étends. Écoutez. Ensuite, j'enregistre les paroles. Une fois la musique et les paroles enregistrées, il suffit de faire une petite manip d'effet, effet audio. Voilà. Écoutez maintenant le résultat. Pour les montages vidéo, j'utilise Adobe Premiere version piratée. Elle est beaucoup plus simple que la version d'essai, moins contraignante en définitive. Je mets je mets en dessous de la vidéo les références de mon matériel. N'hésitez pas, c'est une vidéo non sponsorisée.